Celle que nous découvrirons tout d'abord, il s'agit de Germaine Bonfillon, la femme sans sa tête. En 1953, a été accusée de crime, condamnée pour ce crime et décapitée. 10 minutes après sa décapitation, est arrivée une personne en voyage de l'étranger, plus particulièrement un homme, qui était en mesure de prouver l'innocence de Germaine Bonfillon. Ce n'est jamais arrivé dans les annales de la justice française. Le juge s'est saisi immédiatement des plus hautes instances scientifiques, demandant que l'on redonne vie à celle qui venait d'être séparée en deux. On va essayer d'enlever la grille, allez-y. On va enlever la grille pour voir si elle se jette pas sur vous. Non, ça va, elle a l'air calme, elle a l'air calme. Calme, ça va. Donc en fait, les curiosités du Dr Full Moon, ce soir, c'est la 5e édition. En fait, c'est des soirées thématiques qui sont parties sur un cabinet de curiosités. Toutes les choses, en fait, qu'on voit jamais dans des salles de concert, on va dire, dans des formats classiques où le public rentre, voit son concert et puis s'en va. Nous, on s'est dit, il y a plein de choses qu'on aimerait programmer à l'année. Mais comment on fait? Parce que, bah voilà, c'est des petites formes qui durent un quart d'heure, 20 minutes, des petites surprises, des petits entresorts. Comment on fait? Bah finalement, on va faire un cabinet de curiosité. Donc là, c'est le 5e sur la thématique du monstrueux, comme vous avez pu le remarquer. Dans les flonflons, je me sens toute miaou-miaou. Tu vis un bijou. What's your name?